Bonsoir à tous et bonsoir à tous les Sidoines, puisque c'est aujourd'hui votre fête. Vous bonsoir. Connaissez beaucoup les Sidoines. Je ne connais aucun ou aucune, je ne sais pas. Non, c'est un saint, mais c'est un garçon. Vrai. Oui. Et puis, goodbye, Mr. Himes, puisque Chester Himes nous a quittés à l'âge de 75 ans et qu'il va beaucoup nous manquer, puisqu'avec quelques autres, il a, je crois, donné au polar ou au roman noir ses lettres de noblesse. Voilà, on vous aimait bien ici et c'est tout ce qu'on dira ce soir. Agnès, oui. Le sommaire. Allez, sourire. Sommaire, mais vous savez que Pour la peau d'un flic passe sur Canal+, plusieurs fois, oui. Notamment demain soir à 22h15. Alors, Anne Parillo. Anne Parillo sera notre invitée. Festival de cinéma de Chicago, quelques images. Michel Sardou en tournée. En exclusivité, la bande-annonce de Robin des Bois, le nouveau Walt Disney, qui sortira le 5 décembre. 50 ans du journal de Mickey, prétexte à fête pour tous, pour nous également, bien sûr. Comme d'habitude. Et Roger Moore à Chantilly, est également un invité, mais surprise, j'en dis pas plus. Eh bien, en hommage à Chester Himes, un sujet sur un autre auteur policier, Ian Fleming, ou plutôt sur sa créature favorite, James Bond, car 007 récidive, ma chère Agnès. Il est en train d'achever un nouveau film qui s'appelle A View to Kill. Et figurez-vous qu'il vient de tourner une partie de ses séquences à Paris, ou près de Paris très précisément, à Chantilly. C'est donc sous la conduite du guide Roger Moore que nous allons visiter le château. Well, this extraordinary establishment took 16 years to build, and it was built by... Pour construire ce décor extraordinaire, il a fallu 16 ans sous Louis-Henri II de Bourbon, 7e prince de Condé. Il adorait les chevaux. Et n'importe qui dans cet endroit se passionnerait pour les chevaux. En fait, pour moi, ce rôle est une déchéance. Car la dernière fois que j'ai tourné ici, j'étais roi de France. J'étais Henri II. C'était en 1955, pour un film qui s'appelait Diane, l'histoire de Diane de Poitiers. Prince John. And Princess Anne. Princess Anne. Just take a look back down there. Regardez. C'est fantastique. L'architecture est extraordinaire. C'est vraiment étonnant les recherches qui sont faites pour tourner un James Bond. Pour les extérieurs divers, les repérages des endroits inconnus. Et jamais vu à l'écran, en tout cas dans un Bond. Au bout de 14 films, les choses se corsent terriblement. Et nous voici. Nous voici revenus à la piste. C'est John Glenn qui met en scène ce nouveau James Bond, pas l'astronaute, mais l'autre, ce qui devrait quand même pas nous empêcher de faire un joyeux bond dans l'espace et dans le temps, grâce à quelques sculpturales beautés. Une nouvelle, cette fois-ci, Grace Jones, la déesse noire du disco, et puis la pulpeuse Tania Roberts. Malheureusement, elle n'était pas de tournage ce jour-là. Alors, on va se contenter de suivre Roger Moore. Et son fils, Christian. J'en ai deux ou trois qui mûrissent un peu. Il y en a avec Sean Connery et Michael Caine. Un autre avec Michael Caine et moi. Et puis, il y a un fou qui veut que je tourne seul. Mais tous ces projets sont en attente, car je ne terminerai ici qu'à Noël ou en janvier. Et alors, c'est la saison des sports d'hiver. Je ne travaille jamais pendant les sports d'hiver. C'est drôle, justement, on m'a proposé un film à tourner l'année prochaine. Mais je vis en exil à cause des impôts que je dois payer en Angleterre. Je ne peux pas y passer plus de 90 jours de suite. Et cette année, j'ai déjà dépassé mon quota. Et si je voulais commencer un film en Angleterre, il me faudrait davantage de temps.
et je n'ai aucune envie d'être à nouveau imposable. C'est à mes enfants que je voudrais laisser mon argent. Does your family play a big part in your work? Not in my work. Pas dans mon travail. My life. Dans ma vie. My work is entirely separate. You know, I go off and do that. Mon travail, c'est quelque chose à part. They come with me. Eux viennent avec moi, ils m'accompagnent. Mais je ne leur demande pas de lire les scénarios qu'on me propose. Ah, voilà Chantilly. C'est très très bon. Aujourd'hui, je dois filmer l'arrivée ici et la suite jusqu'à la tombée de la nuit. Je dois sauter du pont-levis. Des trucs amusants comme ça. La journée sera longue, très longue. Action horses. Long day. Vous avez remarqué qu'ils parlent toujours tous de leurs impôts, hein? Ouais, j'en ai assez d'entendre parler des impôts de ces stars. Ça suffit. Alors surtout que c'est des journées difficiles, hein. Regardez-le donc à Chantilly. Vous voulez dire qu'il mérite son argent. Ah, je comprends. 56 ans, une silhouette de jeune homme. Oui, 1m83, 76 kilos. Exactement, comme moi. Moi, je fais 77 kilos, mais sinon... Oh, on va tout connaître. Plus d'un coup. Vous chaussez du combien? Et puis, alors là, il va donc tourner à Chantilly. C'est la septième fois qu'il endosse cet uniforme 007. Comme tous les autres, il avait dit qu'il abandonnerait, et puis il a continué. Ça marche bien, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Alors ça marche bien aussi pour son producteur, qui est Albert Broccoli, et qu'on découvre en ce moment, on va découvrir avec lui, jouant au backgammon, son sport favori après les mots croisés. C'est bien, c'est pas fatigant le tournage en fait. Le journal de Mickey fêtait.